ok. Me disais. Oh. Ah bah ça. Oui, belle. Ouh, c'est bien, ils nous rajoutent des petits trucs un peu tech. Wow. Ah ouais. Wow. Ah bah, allez faire ça avec une Stark. Oh là là, mec. Gaz. Oh, ici. Regarde, wheeling, mec. Quoi? Ah ouais, je me souviens. Wow, wow, wow. Salut à tous, aujourd'hui vidéo très attendue par tous les utilisateurs de Talaria Sting. Aujourd'hui nous allons enfin tester le TC500 sur la TL4000, on l'attend depuis mais... Thor font les choses bien, ils testent vraiment pour qu'il n'y ait aucun problème à la sortie et ça y est, il arrive. D'ailleurs, il est dispo sur le shop au moment où tourne cette vidéo. On a mis un peu longtemps à faire le test parce qu'on a 10 000 choses à gérer entre le shop, le salon du deux roues, on vous en parlera, et plein d'autres choses. Wow. Il s'est accroché à mon pantalon. Oh merde, oh putain, ça va glisser, je pense, aujourd'hui. Trop de puissance. Bon, William est pas en train d'inventer une nouvelle discipline d'enduro qui consiste à tenir son cintre à une main avec un trépied dans l'autre. Et on va faire une petite photo pour terminer nos impressions qui iront sur nos jolis murs au salon du deux roues. Actuellement, on a cette photo, cette photo, cette photo. Et il nous manque la dernière qu'on va faire maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le TC1000 à jour, je sais toujours pas si il marche arrière. Ah non, ça c'est klaxon. C'est moi, il a hurlé de manière... il a souffert. Bah, est-ce qu'on met une moto là et une moto là? Et il y a ça au milieu ou comment? Bah en fait, tu vas faire un passage, je vais faire clac 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 clac. Et après, on fait Photoshop. Bah ouais. C'est ça? Ou alors c'est le focus. Mais on est à peine pas net aussi. Ah oui, bah après ça, ça va. Oui, je pense que c'est plus le focus ça. Ouais, c'est bien là. Parce qu'en gros, moi je serai là, toi tu seras là, tu vois. Okay. Actuellement, la moto prend seulement 65 km/h. Et c'est une erreur qu'on a fait. On a mis une couronne de 54 comme sur notre Suron Light B. J'ai pas mal discuté avec les ingénieurs de chez Torp, notamment Marco, c'est celui à qui je discute tout le temps. Et en fait, le moteur de la TL4000 est un moteur avec un très petit KV, donc pas beaucoup de tours minutes. Les KV, c'est les tours minutes pour 1 volt. Il en a moins que le moteur de la MX3, même si c'est un moteur IPM, il a moins de tours minutes. Ce qui fait qu'avec une couronne de 54, il plafonne très vite. Autant avec le KO Nano, on arrivait à atteindre 75 km/h, mais parce qu'il utilisait énormément de fuel weakening, ce qui fait que bah, quand on a fait nos tests, le moteur était tout le temps à plus de 100 degrés. Le TC500 a un peu moins de fuel weakening, effectivement, mais au moins il n'y aura pas de risque de surchauffe moteur. Si vous mettez une couronne sur votre Talaria, et d'ailleurs, nous, je pense qu'on va baisser la couronne même avec une batterie de 72 volts, parce que sinon ça va chauffer tout le temps. Je pense qu'il faut partir sur du 50, 52 grand maximum. Nous, je pense qu'on mettra du 50. Mais longtemps qu'on n'a pas fait de l'enduro. Non. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça lève. Même à 17. Hein. Ouais, ouais. Après, je pense quand même une couronne un peu plus petite pour avoir un peu plus de peps. Un peu plus. Quand on va un peu plus vite. Ouais, franchement. Ouais, ça va quand même bien. Hein. Ouais. Putain. J'arrête pas à me dire que t'es en batterie d'origine, c'est un délire. C'est vrai, putain. C'est un truc de malade, gros. Ouais, il manque un petit peu, ouais, vraiment, je pense 50 ou 52, c'est pas... Mec, franchement, je vais pas beaucoup plus vite, hein. Bon, on fera un départ arrêté, après. T'es au max, là? Non, non, non. Ah, quand même. Ah oui, 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 ok. Je me disais. Ouais, c'est pour ça. Au niveau puissance, je pense en ressenti, ça va être kiff-kiff avec le KO Nano. Du peu que j'ai essayé, le feeling des gaz est vraiment, bah, comme sur toutes nos autres motos équipées en Torp, le feeling des gaz chez Torp est vraiment cool. Le KO, c'était un peu on-off. Il y avait un feeling un peu bizarre dans le KO Nano, qui avait été un peu amélioré avec une mise à jour. Et par contre, sur le KO Nano, on avait des coupures quand on allait vite et qu'on relâchait les gaz à cause de la régène. Là, on va tester, mais de ce que j'ai essayé, vraiment, on n'a aucune coupure. Donc, c'est pour ça que chez Torp, ça met un peu plus de temps à sortir. Ils font des tests et quand ça sort, au moins, c'est tout clean. Vas-y, attends, on va faire un départ arrêté ici. C'est l'endroit des départs arrêtés. Ouais, c'est vrai. On avait fait avec la Ultra d'origine et la Talaria, justement. Ah ouais, putain, excellent. Go. 3, 2, 1, go. Ah ouais. Pas mal quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, là, voilà, je plafonne. Ouais, mais mec. Oh, il y a eu... Il y a eu quelques secondes où on était pas mal, hein, en même temps. Là, je suis à 75 comme le KO Nano.
Après, autre défaut du Kao Nano, c'est qu'il n'y a pas d'écran aussi. Le Torque fonctionne avec l'écran d'origine, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le display, c'est juste que sur le display, vous avez quand même bien plus d'infos. Il y aura une petite manipulation à faire, mettre à jour le display, se rendre sur l'écran là qu'on voit sur la vidéo et appuyer sur le bouton up and down pendant 5 secondes, ça ferait un peu long. Quand il y a le message qui s'affiche, vous pouvez redémarrer la moto et là, vous allez avoir toutes les infos. Parce que nous, au début, on n'avait pas le voltage, pas la vitesse, on n'avait rien. Et là, au moins, vous avez toutes les infos. Vous allez voir, on n'aura pas beaucoup de vitesse de pointe, mais ça, c'est parce qu'on a mis une couronne bien trop grande et que, bah voilà, on teste. Et des fois, on se plante et du coup, faudra redescendre en couronne. C'est parti. Ça lève quand même, hein. Et ouais, je recommanderais vraiment 50 si vous voulez un peu de Vmax. Si vous en foutez la Vmax, bon, vous en voulez un peu, mais pas monter à 100. Une couronne de 52, hein. Mais ouais, du coup, TC1000, enfin voilà, on accède vraiment le début, putain. Incroyable. On s'enfonce? Je me vois pas. Peut-être sinon on roule au milieu pour le moment. Ouais, les motos, ça abîme la forêt, notre beau chemin, putain, il était trop beau avant. Bon, bah la moto était propre hier, c'est ça? Ouais. Ah, bah c'était pour la vidéo. À YouTube, ça coûte cher en nettoyage de moto. J'avoue. C'est quand même cool les batteries d'origine où t'es là, tu zoutes, tu sautes de partout. Et ouais. Oui, oui, oui. Ah, wow. Ouais. Oh, tu m'as enculé les pales. Ah, tu m'as envoyé un de ces trucs. Je sais pas si t'as un bout de bois ou un caillou, mais genre sur la GoPro, je sais pas si on verra, mais ça a fait genre. Vous bah. Oh putain. Ah, je me suis jamais pris un truc comme ça. Et gros, tu gazes, hein. Ouais, mais tu vois, une fois arrivé à 75, vraiment. Ouais, mais mec. C'est rare hein, de te voir. Oui, bah c'est que sur les chemins de 4x4 quoi. Oh. Ah bah tiens. C'est la même que quand la même. Ultra B. Tu veux qu'on switch? Allez. Bon, je suis en écho réglé tout à fond. Donc si jamais voilà le fuel weakening, ayez pas peur de le mettre à fond. Hein. Même si c'est rouge, ça va pas chauffer. De base, on avait 100. Ils m'ont mis 150. Je pense que je vais leur dire de laisser accès à 150. C'est quand même très bien. Il faudra voir quand même. Avec des températures plus adaptées, si ça fait pas chauffer. Hein. Mec, le Kao Nano, on avait 200. En tout cas, voilà, vous avez accès à toutes les infos, même plus que quand il y a une batterie custom, parce que lui, il communique avec le BMS, donc on a la température BMS, la moteur, donc 60 degrés, donc tu vois, on est large. Bon, ok, il fait pas très chaud, mais le Kao Nano, on a roulé quand il faisait chaud, on était à plus de 100. Là, on a un peu moins de fuel weakening. Ah, ça va être bien avec le filet, là, sur les GoPro. Mec, je suis pas à 65, là. Non, t'es plus. Non, 75, hein, je pense. Ah ouais, large. Vas-y, passe devant. Là, là, là. Oui, oui. Ouais, je dis c'est là. À chaque fois, ça fait bizarre les 5 premières secondes où t'es sur le titre et après, ça revient tout seul. Ouais. C'est très différent. Non, vraiment plus loin. En fait, ouais, il y a un petit temps avant qu'elle arrive à partir. Fais gaffe, il y a 2-3 racines. Ouais, d'accord. Oh la extra. Bah, elle est bien. Oh ouais, mec, c'est monstrueux. Ah, mais voilà ce que tu disais, elle est réglée un peu enduro là. La quoi, la ultra? La extra de la. Oui, elle est réglée enduro, elle est bien. Ouais, c'est là. Je suis content de voir la ultra là, mouillée en descente. Ça va. Je suis quand même moins à l'aise que toi. Faut ouvrir les jambes en descente, je te rappelle. Waouh, quelle branche. Waouh, putain, on est gêné. Attends. Oula, là ils sont déter. Ah mais ça. Ah non, ça jump pas, d'accord. Bah tu peux, mais bon, en moto... Ouais, ouais. Là. Je te dirai si je suis un peu loin. Là, il y aura un petit jump, si je me rappelle. Mais c'est elle, d'accord, ouais. Du coup, Val, il est passé là avec sa KTM de 110 kg, là. Il était à l'aise dans les épingles, gros, c'est abusé. Ah ouais, il est chaud. Honnêtement, lui, tu lui fous une ultra entre les mains, gros, je pense qu'il nous dépose. Ah, tellement.
Voilà, les calpiers, par contre, j'avais oublié comment on touche vite la terre. Pourtant, j'ai plus le ravesse calpier. Bah, parce qu'on n'a pas la biais d'être rehaussé, on aurait la biais d'être rehaussé, on serait bien. Wow. Ah, là, tu t'es pris le truc dans le bras. Ouais, je me souviens. On se voit bien. Et Arnaud, c'était péter des côtes ou fêler, je me rappelle juste. Oh. Oh. Un peu gras. Oh putain, attends. Attends deux secondes. J'ai failli me... J'ai fait droite, gauche, droite, gauche, droite. Ah oui, comment c'est gras. Je vais repasser derrière. Ouais, là, c'est de la terre un peu plus pourrie. Oh, celle-là, elle est immonde. Avec les cailloux là-haut. Avec les petits arbres. Mis en place par nos amis promeneurs ou chasseurs ou je sais pas mais... Oh c'est bien, ils nous rajoutent des petits trucs un peu tech. Les mecs s'ils regardent nos vidéos ils vont être là. Ah les enfoirés. Avec les petits arbres jamais très loin du guidon. Ah ça arrive vite. Il est vraiment trop bien celui-là. Ça, ça glisse mais ça reste... Oh les canne-pieds qui frottent partout. Ah voilà, route 16 sans la biellette. Achetez notre biellette. Elle vient d'arriver sur le shop. Vous avez une route 16 sur la Talaria, il vous faut la biellette. Mais la biellette, ça va pas remonter. Si, ça verse. Si, si, la biellette rehausse aussi les calpiers. Hein. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, ça rehausse toute la garde au sol. Ah ouais, bah oui, je suis con. Oh shit. Ah bah, allez faire ça avec une Stark. Allez faire ça avec une Stark. Oh non, la boue. Ah, c'est vrai. Et surtout, fallait pas faire ça avec la batterie Watt. Ouais, bon, ça rajoute un peu la batterie Watt, mais on n'est pas sur le poids d'une Stark non plus. Ouais, je sais pas si KO est vraiment mieux. Enfin, en riding... Bah, le feeling des gaz, moi, je le trouve moins bon sur le KO. Même ouais. Si apparemment amélioré avec la dernière mise à jour. Mais bon, sur Torp, on sait qu'il est incroyable. Puissance, bah... Puissance, je pense, c'est kiff-kiff quand même. Hein. Ouais, j'arrive pas à dire s'il y avait plus ou pas sur le KO. La puissance, c'est kiff-kiff. Le feeling des gaz, mieux. Le feeling de régène, mieux. Et surtout, pas de coupure, parce que KO, on avait des coupures. Et KO, le SAV, c'est compliqué. La qualité est meilleure sur le Torp. Alors, le Torp est un peu plus cher, ça, faut pas se mentir, bonjour. Mais par contre, en termes de SAV, Torp, voilà, quoi. Sur tous les contrôles qu'on a vendus, il y en a peut-être deux qui ont un souci. Dans la semaine, ils ont été envoyés un œuf. Quand il y a une question, on envoie au support... On peut avoir plusieurs échanges, alors que KO, les petits soucis qu'on a eu, alors ils fonctionnent par Discord, mais on n'arrive pas trop à les avoir. Les mails, ils répondent, un jour, deux mois après, ils nous ont dit « Ah désolé, on était en vacances !» J'ai moins de chaud que tout à l'heure ou... Ah ouais. Bah, faut que je remette mon masque. À droite. Là on roule vraiment comme des oufs quoi. On pourra vraiment dire bah la batterie d'origine avec le Torp, si vous roulez fort, faut pas faire plus de 50 bornes quoi. Parce que là j'ai 65. C'est la Talaria qui a l'honneur. Hein. Eh oui. Ça glirip, ça jump. C'est droite ou c'est gauche? Ah putain je suis sorti du virage. Bah c'est à peu près là où tu arrives. Oh shit. Ah oui. Première fois qu'on le prend au bon endroit lui. Ouais je crois. Wow. C'est à droite Jonathan. Pierre bien glissante. Eh le pneu là. Oh, je déteste être pété dans mon rythme. Y'a rien de pire. J'ai essayé. Ouais, quand t'es fatigué, que les bras ils travaillent et tout, t'as une petite sensation de... Oula. Ouais. Ouais. Ouais, celui-là, il est... Ouais. Oula. Merde, putain, ils ont mis un gros caillou au milieu. Attends, je vais le refaire. Alors, tu prends pas de l'élan? Moi, je suis un fou, moi. Merde. Il va jamais y arriver.
Quel enculé. Moi ? Il croit en moi. Ça se voit. Bah, il m'a dit au moment. Eh, mais tu sais que ça aurait pu le faire vraiment. Ouais, bah si ça l'a pas fait, c'est que ça l'a pas fait. Hein. Après, ça sert à rien de chercher des excuses. Hein. Si j'avais le temps, je tryharderais un peu. Bouge pas. C'est où ? Eh bah forcément. Oh là là ! Mec, je suis arrivé, j'ai traversé tout en wheeling. Oh là là, mon petit Johnny. Oui, belle ! Le rondin, tu l'as enroulé. Bon, bah les couilles, je passe en là. Ah, les petits défis enduro, c'est cool. C'est vrai que ça manque d'avoir pas de temps pour rouler. Et ouais, faire des cons. Le shop, putain, ça prend du temps, hein. Mais on va pouvoir faire un peu plus de vidéos quand même. Ouais, ouais, bah le test 21-18, je pense, avec la batterie 72 volts, on pourra bien. T'as repassé sur les petites comme ça là. Oh putain, repassé sur la grosse là. Tu l'as vu mon jump. Ouais, ouais. Tu commences à être un pro toi du Superman. Oh non. Oh merde. Oh là, ça va être chiant. La marche arrière, ça me manque. Marco, s'il te plaît, fais quelque chose. Bah, faut surtout que je le mette à jour. Je crois qu'elle y est, hein, la marche arrière. Ah ouais ? Bah, je sais pas, il m'en a parlé il y a longtemps. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas mis à jour. On aurait pu le faire là. La puissance de l'électrique, c'est que tu mets à jour dans la forêt. Mais là, il y en a un. Ah ouais ? On l'a jamais fait, ça. Bon, après, autant, c'est juste un mini truc. Ah oui, ça a l'air. Attention, ouais. C'est très fauve de suivre une petite avec la ultra, tu te dis ouais, je fais tout pareil. Ouais, on est descendu par là tout à l'heure. Putain, on est là. Oh non, je viens de comprendre. Ça va. Il y a un monde où ça se passe bien. Hein. Ouais, et il y a 12 autres mondes où on glisse de partout. Let's go. Allez, vas-y. Attends, déjà. Bah oui, il commence bien. Déjà, j'ai bégayé, j'ai cru que c'était à droite, à gauche. Ça récupère pas à droite par hasard ? Un petit peu. Donc ça c'était le monde numéro 1. Non. Ah oui d'accord. Mais on a monté ça et... bah, ah non c'était... Ok non c'est pas là. Ah non si c'était là qu'on est descendu. Mais ouais c'est là mec. Oh, mais comment on a monté ça wesh ? Bah avec des petites. Et il faisait pas aussi gras. Tu vois ce que je voulais dire ? Ah c'est à gauche. Ah oui d'accord, wow. Ouais là il y a un rocher. Ah c'est sûr, c'est jamais dans le sud que tu les vois sortir dans le grand. Hein. Nous on est obligés, sinon on sort jamais. Alors William, t'en as chié pour ça là ? Vas-y, je te regarde. Ouais, il va y arriver là, salaud. Ah merde. Bon attends, il y a juste un peu de délai. C'est ça, c'est que moi j'ai essayé de trop prendre l'inter. Ouais c'est ça. Bon ouais, j'avais l'exter, c'était mieux. Oh là là, mon petit drift. Oh là. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, Iwata quand même le petit. Bah ouais. Non, pas Iwata, on a dit. Ah. Oh ouais, putain. Oh, et ce pneu. Franchement, qu'on vient pas nous dire que c'est plus utile d'avoir plus large sur la ultra à l'arrière. Hein. Bah surtout qu'après tu bouffes la batterie en fait donc... Bah ouais genre là on grimpe partout. Encore. Elle a levé Quelle machine quand même. Trop puissance. Terrible putain. Oh. J'ai été optimiste. J'avais un peu plus de vitesse quand même. Oh, il est né la flouque, né là-haut. Faire comme les vidéos des Polonais en enduro. Tant que nous, on jette pas les motos. Je pourrais jamais. Trop de respect pour le matos. Ah, coupure. Non, il va falloir resserrer là. Oh. Ah, ça, ce serait du génie. Et ben voilà, faut qu'on fasse une pause. Ha 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 ha!
Ah, c'est parce que le calpi était blessé, responsable. Oh là là. Oh, petit saut. Ah, oh, c'est quand même cool les petites. Oh, la pluie. Oh non. Putain, j'ai des pertes d'équilibre à la con. Oh. Et du coup, à ceux qui se demandent, le chaos, en fait, on avait du coup arrêté de le mettre sur le site parce que, un, on avait plus de stock. Et vu que c'était compliqué de gérer chaos en termes de commandes, de SAV quand il y a des petites questions pour les réglages et tout. Oh mec. Il y a vraiment un monde où t'arrives à te réveiller et avoir les équilibres. Et ah, le bon flow. Ouais, ouais. En fait, quand tu perds l'équilibre, tu commences à te fatiguer. Mais quand t'es dans le mood, ouais, t'es là, t'as les... Là, à la fin. Ah, incroyable. Ah, c'était cool, la fin. J'arrive plus à Oli. Oh, c'est mignon, là. C'est... Ça, et tu sais qu'on a descendu ça, je crois. Oh merde, on est descendu par là. Bah oui, sur la poudreuse. C'est là où je me suis chié. Ouais, ouais. Ah, incroyable. Oh ouais, c'est vénère. Ouh. Oh, t'as moins de patates ça, là déjà, hein. Mec, je suis à fond. Ah ouais. Ouais. Alors là, je descends en batterie aussi. Ça va rechanger les modes. Wesh, c'est grave. Ouais, attends. J'ai glissé. Je vais pas changer mode. Après, la ultra est aussi à 50%. Hein. Oh là. Ah, poignée dans l'angle. Le petit trou. On glisse quand même, hein. Oh, on arrive là. Oh mec, incroyable. Oh là là, spécial. Wow. Je vais te masquer peut-être. Un cache sur ta vitesse. Oh là là, t'es saut. Ah, à droite peut-être. J'aime bien les 4x4 comme ça, un peu... Ah ben d'accord, on est là. Ah. Bon, écoute. C'était cool. Ouh. Oh là là, mec. Avec le ND, ça va être terrible. Oh. Ah ouais, je m'envoie des trucs. Il est oups. Ça sautille de partout, ça. Trop bien. Et là, on arrive dans la gâteau. Oh là là, gros, incroyable. C'était terrible. Ça va toi, petit trou et suspension? Ouais, le mec, la X, c'est une dinguerie ultime. Avec la batterie de 72 volts, la Talaria, je pense que ça va être une mini ultra. Hein. Ouais, ouais, vraiment. On va plus vouloir toucher la Lightbee. On va dire. En fait, on comprend Quentin, il roule la ultra depuis des années en fait. Sans... Pour ça qu'il en avait pas envie. Pas une vis de... Ouais. Ah bah ça. Non en fait c'est pas... Merde. C'est que j'étais trop petit et du coup j'ai voulu reprendre le guidon et j'ai mis gaz. Mais il va où? Bah je sais pas, je voulais descendre mais je me fatigue des fois. Tu te rappelles quand... C'était quoi? C'était d'origine qu'on avait essayé de monter ça? On a essayé, ouais. Oh là là. Limite. Ouais.
Bah en fait ça tire en arrière mais ça glisse. Moi avec 29% je sais pas si elle ira. Bah en fait le souci c'est pas la puissance, c'est que ça glisse. Mais toi genre au milieu. Ouais pour la choper. Ouais. Comme les mecs en trial. En fait ouais il faut se pencher en avant mais ça glisse. Gaz. Oh easy. Regarde wheeling même. Quoi? Peut-être la ultra vu qu'elle est plus longue, je sais pas. En fait toi t'as rebondi, t'as perdu du temps parce que ça a fait ch'tonk. Trop single paradise. Wouhou. T'as glissé un peu. Wouah. Ouais je sais, c'est exprès. Ah tu. Ok d'accord, c'est contrôlé, ça va. Je me mets un peu sur l'avant pour que ça. Ah yes. Là, il y a quelques racines. Oui, voilà. Oh la hext. Ouais, bah ouais. Mais la fourche d'origine de la Ultra, franchement... Bah ouais. Avec la prépa Gobi. Et... Wow, wow. T'as fait quoi? J'ai... T'as pris un gâtier? Oh la vache. Non, non, j'ai la roue avant qui a glissé. Et j'ai. Je sais pas si c'est le guidon qui a tapé dans mon casque, mais gros, si j'ai pas fissuré le casque. Dans ton casque et t'as fissuré. Non. Non, ça va, mais gros, le choc était énorme. Hein. La GoPro, elle s'est levée sa mère d'un coup. Bah là, on roulait comme des ouf aussi. Hein. On roulait comme des ouf, on discutait comme sur un canapé. Je disais quoi déjà? La fourche, c'est pas mal. La fourche, c'est pas mal. On va avoir un kit. Donc, prépa Gobi, bien sûr. On va avoir un ressort plus dur sur le shop. Parce qu'une prépa, hydraulique, il faut changer les ressorts pour les gros gabarits. Après le ressort d'origine, je pense, en enduro fait le taf. Ressort KKE aussi? Ouais, pour la... Pour amorto et pour la fourche, du coup je vais prendre les deux. Alors là c'est fou. Wow, wow. La même. Le but c'est de saigner la batterie. Avance. Ah il manque un peu là maintenant. Ah ouais, c'est pas si long que ça, mais... Oh, aïe. Oh, ça va aider. Oh là là, j'adore ce endroit. Ça va, t'es pas trop loin? Non, ça va. Et jusqu'à 20% ça watt, hein. Ah ouais, ouais, ça a l'air, hein. C'est à droite non? Eh ça descend sympa là. Oh attends je vais descendre de trave. C'est l'avantage d'avoir une potence comme ça. Je resserrerai un peu. T'as combien de 17? Ouais. Ouais on est pas très loin. Et je roule tranquille. Oui. Un petit drift. Oula. Ouah. Oh, en vrai, ça saute, ça. Ah ouais, je me souviens. Wow, wow, wow. Wow. Quel kiff. Ouais, ouais, vraiment. Il y a un endroit où on était passé par là et on avait dit oh on fait les princesses. Ah bah voilà c'était là le marécage. Ah oui. Oh mec. Ça ça n'était pas l'époque. On avait dit oh on fait les princesses et tout. On était tout d'origine et tout. Oh, putain. Je sais même plus dans quelle vidéo c'était. Oh, je sais même plus non plus mais on était en DNM et tout. Hein. Oh le flashback du marécage de fou. Ça va? T'as combien de pourcents de batterie? 12. Ok. Putain, mais tu gardes quand même des watts? Alors que mec, franchement, je bombarde. Hein. Bah ouais. Hein. Enfin, je suis poigné dans l'angle et ça se traîne pas le cul, quoi. Je regarde derrière, t'es loin, je regarde derrière, t'es méga proche. Toujours meilleur que moi ici en descente.
toujours meilleur que toi partout en descente. Le jour où t'es meilleur que moi en descente, je peux reprendre le vélo de descente. Hein. Non mais je veux dire, tu me mets toujours un trou ici quoi. Ouais ouais. Globalement je suis assez souvent. Bah, par rapport à, au début mec, on roulait ensemble où d'ailleurs tu te traînais. Bah oui. Allez, profite de sa dernière descente. Ouais. Oh. Bah mec, rentre-moi que je m'y casse. Quoi? Quoi? Je pensais que c'était comme ça, moi. J'ai entendu « Oh !» Je me suis dit « Ouais, bon, il a fait ça. » J'ai fait « Blah !» Quoi, derrière, on a resté? Ah ouais. Oh mec, c'était incroyable. Check-moi ça. Bonjour. Ouais, ça clignote en rouge. Donc on a fait 1h30 de sortie, sachant qu'on n'a pas fait de pause. Hein. On a fait 23 bornes, donc 23 bornes pour vider la batterie. Donc effectivement, par rapport au contrôleur d'origine. Mais beaucoup de dénivelé quand même. 1200 de dénivelé. Ok. Donc effectivement, ça la vide quand même. Mais bon, on a 11,5 kW, c'est énorme. Hein, ça watt plus que la Ultra B d'origine. Ah, tu crois? Ah oui. Bah t'as vu comme c'était kiff avec la... Ouais non c'est clair, t'as raison. Mais après mec, on a roulé comme des ouf. Moi franchement j'aurais roulé 20-30 minutes de plus, j'étais vraiment au bout de ma vie hein, je pense. Je sais pas, en vrai là je suis bien hein. Ouais, bah après c'est comme le KO hein, du coup, enfin ça... Le KO on avait fait des fois 40 bornes mais il y avait beaucoup moins de dénivelé, c'était dans le sud. Et en tout cas pour ce qui est du TC500 c'est une dinguerie. On a 15 km/h de moyenne. Bon vitesse max je pense c'est quand... Bah après peut-être sur la Ultra aussi, mais 93 mais c'est sur la descente. Mais voilà on a 75. Après une grande couronne, on a la route 16 qui consomme de ouf. Plus la couronne de 54, plus vous avez une grande couronne, plus vous allez consommer, parce que nous en plus on utilise tout le temps du fil weakening hein. Donc c'est pour ça hein, couronne de 48-50 en vrai pour quelqu'un qui veut garder la batterie d'origine, plus il va mettre une grande couronne, plus il va consommer hein. En roulant comme des tarés tout le temps hein, avec une grande couronne, une grosse roue, on arrive à cette autonomie là. Mais bon voilà, on a quand même roulé une heure et demie quand même. Donc oubliez pas, il est sur le shop. Petite nouveauté de 2024, il y a le code Joe and Will qui sera disponible sur le site toute l'année 2024. C'est pour vous remercier de nous soutenir sur le shop, sur les vidéos, etc. Tout au long de l'année vous aurez 7% sur le shop, donc n'hésitez pas. Et du coup valable sur le TC500, sur tout le site sauf les produits déjà en promotion ou les packs. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous.